Et salut à tous les amis, c'est Barçatil, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Tu connais d'ailleurs, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement des familles qui fait plaisir. Mais aussi juste avant, comme vous le savez, la vidéo est sponsorisée par ImixFoot. Qu'est-ce qui est ImixFoot? C'est tout simplement un site qui vend des maillots vraiment de super qualité, en plus pas cher. Vous avez de tout, vous avez des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez même des survêtements, des maillots NBA, vous avez de tout, tout, tout. En plus, écoutez bien, vous avez 10% de réduction avec le code BC, donc du coup n'hésitez pas à en profiter, il y a tous les liens en description. Moi du coup je vais arrêter de parler, on passe l'intro et tout simplement aux informations, c'est parti. On va commencer de façon par une nouvelle qui va nous rassurer, parce que hier j'en avais pas parlé sur la vidéo, mais je pense que vous en avez entendu parler en général, parce que ça avait fait parler sur tous les réseaux, car selon plusieurs médias, le Barça pouvait pas enregistrer les recrues à cause du règlement de la Liga. Mais je tenais à vous rassurer, car Gérard Romero a parlé sur ce sujet. Il aurait dit que toutes les recrues seront enregistrées samedi prochain, donc du coup plus de peur que de mal. Du coup forcément les joueurs vont pouvoir jouer le match de Liga face au Rayo Vallecano, et ça fait plaisir, franchement on va pas se mentir, ça fait plaisir. Les gars, je suis choqué, je suis tellement le plus heureux, après ça veut rien dire du tout, mais je suis vraiment le mec le plus heureux, car vous, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, mettez des pop-corn, asseyez-vous tranquillement, parce que le LA Galaxy serait intéressé par Sergi Roberto. C'est pas une blague, c'est vraiment pas une blague. Vous le savez, la semaine dernière, c'était Ricky Puig qui est parti là-bas. Et ben, ils seront intéressés par Sergi Roberto. Mais franchement, Galaxy, si vous regardez cette vidéo, même si c'est impossible, on vous le donne. Prenez-le, volez-le nous. On s'en fout, on vous le donne, les gars. Franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes heureux ou pas. Après, bien sûr, comme d'habitude, c'est des rumeurs. Il y a encore une planète entre ce que c'est et ce que ça va se faire. Donc, s'il faut, ça va jamais se faire. Mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir de voir des rumeurs comme ça. Ça me donne trop le sourire. Alors, juste avant que je vous balance la troisième info, puisque c'est une info assez triste, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que comme je l'ai dit hier, il va bientôt avoir un concours et vous pouvez gagner 2 maillots. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Voilà, je préfère vous faire plaisir un petit peu en disant qu'il va avoir un concours, parce que là, la nouvelle qui suit, les gars, ça va pas être possible, parce que Frenkie de Jong devrait partir la semaine prochaine et c'est Gérard Romero encore qui balance ça. Donc c'est un petit peu vrai, quoi, si c'est Gérard Romero. Donc du coup, une petite question, où va-t-il aller, Frenkie de Jong? Est-ce qu'il va aller à Manchester United, qui le cherchait depuis longtemps, ou le Bayern Munich? Puisque hier, quand je vous ai sorti la vidéo, vous avez parlé concernant le Frenkie de Jong, qui voulait aller au Bayern Munich. Donc est-ce qu'il va aller au Bayern Munich, ou est-ce qu'il va aller à Manchester United, ou est-ce qu'il va rester à Barcelone? Mais c'est vrai que là, que Gérard Romero balance cette info, on peut penser que c'est vrai et on peut penser à un départ. Donc je vais pas vous mentir, je suis un petit peu triste. Donc vous, n'hésitez pas à me dire tout dans les commentaires ce que vous en pensez de cette situation, mais c'est vrai que c'est assez délicat. Mais bon, tranquille, voyons la bonne chose. Du moins, voyons la bonne chose de cette chose. Je sais pas si vous avez capté, mais moi je me suis compris. Parce que Bernardo Silva et le Barça auraient un accord pour un contrat de 4 ans. Donc c'est peut-être pour ça que notre ami Frenkie de Jong va partir. C'est peut-être pour laisser place à Bernardo Silva. Et là, je pense que là, vous, derrière votre écran, vous êtes en train de faire la fête, d'avoir des feux d'artifice de partout. Franchement, ça fait trop plaisir. Cette nouvelle, magnifique. Franchement, j'espère que c'est vrai. Parce que si Frenkie de Jong part et que Bernardo Silva ne vient pas, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. Je vous mens pas, mais bon, après, on va voir. Mais c'est vrai que... c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Après, peut-être que c'est fait esprit, le Barça veut vendre Frenkie de Jong pour laisser la place, puisqu'il y a énormément de milieux. Mais c'est vrai que si Frenkie de Jong part, c'est vraiment parce que Bernardo Silva va arriver. Donc vraiment, ça sent bon. Et les amis, c'est déjà la fin de ces vidéos. Vraiment, déjà, je suis vraiment désolé que la vidéo soit courte, parce que comme je l'avais dit hier, demain, du moins aujourd'hui, je suis pas là, je dois partir à un anniversaire, donc du coup, je me dépêche. En tout cas, j'espère que ces informations vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, les frérots. Voilà, il y a tous les liens en description. Et si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à écrire. Écrire quoi? Écrivez FCB si vous êtes arrivé tout simplement à ce moment-là de la vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouvera demain pour le très gros live pour le match du trophée Gamper entre le Barça et Pumas. Donc du coup, je vous dis à demain, passez une très bonne soirée et à demain les refs.